La Fondation Payot pour la promotion de la lecture. Payot et 7, le MOOC suisse des meilleures histoires de 7.info, vous présente Marc Page. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Marque Page en cette rentrée littéraire. On va parler aujourd'hui de Méditerranée, l'œuvre de Panaït Istrati, et c'est avec Pascal Serving de Payot Libraire qu'on va en parler. Bonjour Pascal. Bonjour Stéphane. Alors, si j'ai bien compris, c'est un recueil qui réunit ces deux derniers romans, donc Lever du soleil et Coucher du soleil. Oui, c'est ça. En fait, bon, ce sont deux romans qui peuvent n'en faire qu'un. L'auteur est un auteur roumain autodidacte, grand voyageur, presque un peu vagabond d'ailleurs, hein, qui a fait pas mal de métiers, et qui un jour s'est embarqué sur un navire qui a parcouru tout le pourtour méditerranéen. Et du coup, il a gardé certaines attaches avec des personnages assez atypiques, qu'il est revenu voir par la suite. Et donc, ce sont les récits de ces rencontres successives. C'est très vif, très, très vivant. C'est un très beau style littéraire, bien qu'il ait appris la langue française en autodidacte. C'est un ouvrage vraiment à découvrir, un auteur à découvrir. C'est un auteur qui est décédé en 1935 de la tuberculose, qu'on réédite assez régulièrement, mais qui n'est pas assez lu à mon goût. Je trouve qu'il vaut la peine d'être découvert. Et puis c'est l'occasion de retrouver deux romans en un seul. Exactement, et puis de goûter à cette civilisation méditerranéenne qui est pleine de fantaisie et de couleurs. Merci Pascal d'avoir été avec nous. Méditerranée donc, de cet artiste Panaït Istrati, autodidacte. Merci de votre fidélité. Rendez-vous sur latélé.ch pour avoir tous les livres traités dans cette émission. Et je vous dis à très bientôt. La Fondation Payot pour la promotion de la lecture, Payot et 7, le MOOC suisse des meilleures histoires de 7.info, vous ont présenté Marque Page.